Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Le FC Barcelone a annoncé la signature de l'attaquant légendaire, Sergi Agüero, de la manière la plus classique possible, faisant référence à son but emblématique contre les Queen's Park Rangers en 2012, qui avait permis à Manchester City de remporter le championnat pour la première fois de l'histoire du club. L'Argentin va signer un contrat de 2 ans, faisant de lui un joueur du FC Barcelone jusqu'en juin 2023. Le contrat comprend une clause libératoire de 100 millions d'euros et aucun paiement de frais de transfert, car il rejoint le Barça en tant qu'agent libre, complétant ses cotisations contractuelles avec Manchester City. Son dernier match avec Manchester était la finale de Ligue des Champions perdue malheureusement face à Chelsea grâce à un but de Kai Havertz. Une fois l'annonce officielle terminée, le joueur sera présenté au Camp Nou à 18h15 où il va signer son contrat et tenir par la suite une conférence de presse que vous pouvez suivre sur les réseaux du FC Barcelone, sur YouTube notamment. Il sera en compagnie de Joan Laporta dans les bureaux du FC Barcelone. Immédiatement après avoir terminé son transfert, il va s'envoler pour l'Argentine afin de rejoindre l'équipe nationale et de se préparer pour les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la compétition sud-américaine, c'est-à-dire la Copa, qui auront lieu en juin aux États-Unis. Donc c'est une signature très bien accueillie par les fans du Barça. Le joueur étant un favori des fans du Barça des années avant la signature même, sa relation avec Lionel Messi en fait également une perspective passionnante. De plus, l'équipe subissant les conséquences de ne pas avoir d'attaquant, après le départ de Luis Suarez, Sergio Agüero devrait remplir ses bottes et livrer de temps en temps. Les signatures du FC Barcelone n'ont jamais été secrètes. Des mois avant les signatures officielles, des détails sont divulgués sur les médias par le biais d'un ou plusieurs journalistes fiables, ce qui pourrait être un moyen stratégique de faire parler les supporters du Barça ou une incompétence flagrante. D'une manière ou d'une autre, les fans connaissent une signature potentielle bien avant qu'elle ne se produise. Et le prochain joueur en ligne à recevoir ce traitement encore une fois est Agüero. Sa signature a été donnée le 21 mai avec le fameux « Here we go, on y va » de Fabrizio Romano, ce qu'il rend officiel. Cependant, l'annonce et la présentation sont dues aujourd'hui. Le site officiel du FC Barcelone montrant les détails de la même chose. Donc, dites-moi en commentaire si c'est une bonne option de le faire venir au Camp Nou et est-ce qu'il pourra assurer le remplacement de Luis Suarez, son âge, ses capacités et tout. Dites-le moi dans les commentaires. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.